Alors, nous allons commencer d'ici une petite minute. Non, donc nous allons pouvoir commencer. On va sans plus attendre donc écoutez monsieur le Alors, procureur. nous allons commencer d'ici une Je vous petite écoute monsieur le minute. procureur. Monsieur le juge, déjà bonjour monsieur le juge. Je tiens à vous notifier tous les chefs d'accusation à l'encontre de monsieur Moreau. Les chefs sont la possession d'armes moyennes sans licence, possession d'objets illégaux sans défense, membre d'une organisation criminelle, trafic de stupéfiants, complicité de trafic d'armes, refus d'obtempérer avec mise en danger à la vie d'autrui, prise d'otage ainsi que braquage de banque. Merci, merci, monsieur le procureur. Est-ce que vous auriez des témoins à faire venir à la barre plus tard ou pas? Non, aujourd'hui je n'ai pas de témoin pour pour cette audience. D'accord. De même, monsieur, pour vous, maître, est-ce que vous auriez des témoins à faire venir à la barre aujourd'hui ou pas? D'accord. Mais écoutez, maître, je vais vous laisser la parole. Je vais vous laisser nous présenter votre défense. Jugement de notre. Ah, merci. Alors, attendez. Pour le jugement de mon client, monsieur Georges Thomas Moreau, pour les faits reprochés par monsieur le procureur, je tiens à vous notifier, monsieur le juge, que cet individu, monsieur Moreau, mon client, a perdu sa famille et ses parents très. Très jeune, donc il a été orphelin très rapidement, monsieur le juge. Donc vous comprenez un peu la tristesse de mon client par rapport au fait qu'il lui soit reproché. Il n'a jamais eu de frères et sœurs, vu que ses parents étant décédés très jeune, âge de 5 ans, il a perdu ses parents, il est devenu orphelin. Il n'a jamais eu de compagne dans sa vie. D'accord, donc Monsieur j'entends le la juge. situation de monsieur. Excusez-moi, monsieur le juge, je vous ai. Je disais que j'entendais ce que vous me disiez par rapport à la situation de votre client. Voilà, donc vous pouvez bien comprendre que bon, mon client est, a beaucoup de faits reprochés, mais je trouve que sa situation familiale, souvent, est énormément en cause par rapport à ce qu'il a fait. C'est ce qui peut son client, parce que bon, vous comprenez que il n'a pas d'enfant, il n'a personne à qui se confier directement. Alors bon, j'arrive à comprendre un petit peu sa situation familiale. Il est seul de ses jours, vraiment triste de sa vie. Et j'ai terminé. D'accord, merci Monsieur le juge. maître. Monsieur le procureur, je vais vous laisser nous détailler un peu plus en détail les faits qui sont reprochés du coup à Monsieur Moreau. Alors, le 25 juin 2020, Monsieur Georges Thomas Moreau a mis fin à sa cavale en se rendant au commissariat. Suite à ce fait, une garde à vue de 96 heures s'est ouverte. Lors de celle-ci, Monsieur Moreau a avoué tous les faits qui étaient reprochés. Du coup, lors de cette garde à vue, Monsieur Moreau a fait part aux hommes de la DCPJ qu'il était le parrain de la famille, qu'il a fait des braquages de banque ainsi que des prises d'otages. Il a dévoilé aussi le solde capital de la famille qui alors était de 353 824 euros. Monsieur Moreau a également communiqué l'organigramme complet de la famille, a reconnu du coup avoir fait du trafic de stupéfiants, de la complicité de trafic d'armes, des refus d'obtempérer avec mise en danger à la vie d'autrui, et des possessions d'armes moyennes sans licence. Merci, monsieur le procureur.
Alors, monsieur maître, maître, excusez-moi, donc j'ai entendu que votre client avait du coup avoué tous les faits reprochés, c'est ça? Lors de son audition? Oui, il a bien avoué tous les faits qui lui étaient reprochés. Comment il Pourquoi? explique, hormis votre explication sur les problèmes familiaux, comment explique-t-il du coup qu'il ait pu se procurer des armes, qu'il ait pris en otage des personnes, qu'il ait braqué une banque? Comment il explique cela? Écoutez, pour moi, c'est les membres de sa famille qui l'ont un petit peu emporté dans toute leur criminalité, parce que bon, vous comprenez que c'est un jeune garçon qui laisse facilement venir avec les groupes, donc pour moi, je connais mon client et je pense que c'est plus les membres de sa famille qui l'ont poussé à faire ces choses-là, parce que dehors de tout ça, c'est un gentil garçon. Franchement, monsieur le juge, c'est pas vraiment le type criminel qu'on voit de nos jours. Hein. D'accord, d'accord. Au niveau de sa famille actuellement, est-ce qu'il a encore des membres de la famille en ville ou pas? Monsieur le juge, il n'a plus de famille, il n'a plus de frères et sœurs, ses parents sont décédés, il a tué ses enfants. Il n'a actuellement plus d'enfants. Il n'a plus aucune famille, monsieur le juge. D'accord. Vous comprenez un petit peu sa situation et sa tristesse à faire des choses, à commettre des choses irréparables, mais je donne une grande part de responsabilité aux membres de sa famille pour l'avoir poussé à la criminalité d'armes. Hein. Pousser, hein. J'entends ce que vous dites, je le comprends pas forcément, mais j'entends ce que vous. Que Monsieur Moreau souhaite parler peut-être? Pas forcément. D'accord. Vous savez, il est d'une grande tristesse, monsieur Moreau, de ces jours-ci. Vous souhaitez rajouter à d'autres choses, monsieur le procureur? Alors moi j'avais une question pour vous, monsieur l'avocat. Maître, vous parlez à de nombreuses reprises du passé de monsieur Moreau. Mais est-ce que vous trouvez ça normal que tout ça se soit fait à cause de son passé? Par exemple, il a fait énormément de choses qui ne peuvent pas être pardonnables, comme des braquages de banque et des prises d'otages. Trouvez-vous ça normal? Monsieur le procureur, je ne peux pas vous répondre à cela, mais je n'ai pas d'avis sur ce point-là, car il a vraiment été, il n'a jamais été joyeux dans sa famille, il n'a jamais eu de famille, il a pu avoir une bonne enfance, il a toujours grandi dans la criminalité, des mauvaises personnes, il a été poussé dans de mauvaises choses, et façon de base qui est très gentil et qui n'est pas du tout criminel, hein, donc c'est pour ça que mon client les défendre parce que c'est vrai que c'est vraiment un gentil garçon et c'est toujours les autres membres de sa famille qui l'ont toujours poussé à faire des choses comme type de braquage de banque, prise d'otage, etc. D'accord. Monsieur Moreau, moi j'avais aussi une question. Pour quelle raison vous êtes-vous rendu à la police? Parce que en vous rendant à la police, vous savez que vous êtes mis dans des beaux draps, quoi, si je pourrais me permettre. Simplement que la police avait soit tuer les seules personnes qui comptaient pour moi, soit elle les torturait pour les faire avouer que leur demander où c'est que j'étais. Donc j'étais obligé de me rendre pour faire cesser cette torture. Le procureur, vous comprenez qu'il était rongé par les remords ainsi, hein.
Monsieur le procureur, j'aurais quelques questions à vous poser. Au niveau de la prise d'otage et du braquage de banque, est-ce que donc Monsieur Moreau aurait fait usage de son arme et est-ce qu'il aurait du coup porté des coups sur les otages par exemple? Excusez-moi, monsieur le juge, est-ce que vous pouvez répéter votre question? Je ne l'ai pas entendu. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, au niveau de la prise d'otage et du braquage de banque, est-ce que Monsieur Moreau aurait fait usage, excusez-moi, de son arme? Ou est-ce qu'il aurait tout simplement porté des coups sur les otages? Alors, niveau de ça, je n'ai pas eu plus d'informations. J'ai eu l'information qu'il a bel et bien participé à des braquages de banque et prise d'otages et qu'il a avoué lors de ses gardes à vue, lors du moment où il s'est rendu. Mais j'ai pas les détails de la prise d'otage ainsi que du braquage. D'accord, au niveau du trafic de stupéfiants, est-ce que c'était Monsieur Moreau ici présent qui organisait le trafic de stupéfiants ou ce n'était qu'un simple acteur, voire spectateur de ce trafic? Étant parrain de la famille, Monsieur Georges Thomas Moreau a bel et bien dû faire partie de l'organisation de ce trafic de stupéfiants. D'accord. Maître, j'ai une question pour vous. Votre client, du coup, était le parrain de l'organisation, mais vous nous dites depuis tout à l'heure qu'il s'est laissé influencer par les membres de son organisation. Comment un parrain peut-il se faire influencer par ses propres membres? Eh bien écoutez, en fait, il est devenu parrain de sa famille via les aléas de la vie, monsieur le juge. Il était parrain, mais si vous voulez, il n'était pas très présent. C'était les membres de sa famille qui lui mettaient un petit peu la pression sous peine de détruire toute la famille et ne plus avoir de famille. Donc, monsieur Georges Thomas Moreau, le parrain de cette famille, n'avait que titre de parrain, mais n'avait pas le rôle du chef. Donc il n'a jamais commandité de trafic de stupéfiants, ça a toujours été les membres de sa famille qui organisaient. Juste ça, monsieur le juge. Merci. Pense avoir fait le tour. Est-ce que monsieur le procureur, vous avez quelque chose à rajouter? Non, j'ai pas d'autres questions. Maître, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ou votre client peut-être? L'influence lui a rongé toute sa vie et que n'a plus de famille. J'éprouve vraiment sa tristesse aujourd'hui, monsieur le juge. Monsieur Moreau, j'ai une question pour vous. Oui. Quelles sont vos perspectives d'avenir après ce procès? Qu'est-ce que vous souhaitez par la suite? Je compte me remettre dans le droit chemin et recommencer une vie bah, tout ce qu'il y a de plus normal pour les autres et pouvoir mettre ce passé de côté. D'accord. Que je vais pouvoir Monsieur le passer juge, Oui. pour tous les faits qui sont reprochés à l'encontre de Monsieur Moreau, je demande une peine de 25 ans de prison ferme, sans possibilité de remise de peine, plus une amende de 140 000 euros. Alors, est-ce que vous pouvez me répéter, s'il vous plaît, excusez-moi, monsieur le procureur? Pour tous les faits reprochés à Monsieur Moreau, je demande une peine de 25 ans de prison ferme, sans possibilité de remise de peine, plus une amende de 140 000 euros.
D'accord, merci, c'est noté. Donc l'audience est suspendue. Nous allons faire une courte pause. Je vais rester ici, dans mon bureau. Ça va être assez rapide. Vous pouvez répéter, monsieur le juge, on ne t'a pas très bien entendu. On marque une courte pause et je vais passer à la délibération. Mais on va pouvoir reprendre. Donc monsieur Moreau, vous avez pas mal vous sont reprochés. Ce ne sont pas des faits anodins, comme vous l'aurez remarqué. Vous avez eu la présence d'esprit de tous les avoués pour la police. Vous avez par chance apparemment pas commis de crime de sang, ni d'avoir porté préjudice à quelque chose au niveau moral ou au niveau de la santé. Donc condamné à 19 ans de prison et à 100 000 euros d'amende. L'audience est levée, merci à vous. Merci. Bonne chance pour la suite, monsieur Moreau. Merci. Vous souhaitez un transport pour rentrer chez vous ou pas? Non, ça va aller, merci à vous commandant. Ça va aller. Fait. Allez, bonne journée monsieur le juge. De même. Oui, je peux descendre. Oui, s'il vous plaît, reculez. Non, le suspect tout seul, monsieur. D'accord.
Rentrez, dépêche. Rentrez. Le j'espère refermer la porte. Ouais. Oui, bah oui. Derrière. Elle est derrière là. Là, à droite. À droite, mettez-vous à droite. Je peux savoir ce qui se passe. Remontez, on a des tirs. Remontez. Oh là. Oui, il y a pas. Restez calme, s'il vous plaît, restez calme. Vous pouvez me dire ce qui se passe ? Oh, descendez, dépêchez-vous de descendre là. Descendez. Excusez-moi, il se passe quoi là? Pas sûreté pour le moment.
Restez ici, monsieur, restez ici, bougez pas. Bon, laissez fermer, laissez fermer. T'inquiète pas, vous inquiétez pas, j'essaie. Allez-y, montez. Autorisé à entrer dans le périmètre. Allez, c'est bon, partez, partez. Affirmatif, affirmatif. Partez et sortez du périmètre de sécurité, s'il vous plaît. Surtout après le contrôle, on a remarqué qu'il y en a un qui possède une MP5 police et vous correspondez tous les deux au nom de Orge. Or, une enquête a été ouverte hier contre les membres incriminés au nom de Orge pour la possession d'armes moyennes. Circuliez juste au mauvais moment, au mauvais endroit. Ah bah peut-être monsieur, mais comment on peut expliquer à MP5 police? Ça qui est... C'est qui un MP5 police? Donc le chien, ouais, recule s'il te plaît. Si tu comprends ce que je dis, le chien, faudrait que tu recules s'il te plaît. Ah nickel, bien dressé le chien. Allez, recule s'il te plaît. Voilà, allez, viens toutou. Allez, viens, 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 viens. Suivez-moi.
Désolé. Vous allez du coup vous retirer l'amende donc qui vous a été imposée. C'est bon. C'est bon. Allez-y. C'est bon, allez-y. Donnez-moi le montant. Impeccable. Allez, je vous remenote. Attendez, on va d'abord faire un tour à votre banque d'armes. Suivez-moi. Allez-y. Sortez-moi donc toutes les armes. Dans votre coffre. Je vous ai déjà tout donné à vous, la garde à vous. Donc il ne reste vraiment plus rien. L'individuel. Il ne reste vraiment plus rien. Impeccable. Et je vous me note et on y va. On va procéder à votre incarcération. Suivez-moi. Monsieur, monsieur, monsieur.